Il y a un homme ici, un très grand chef, comme beaucoup de grands chefs qui sont ici, mais qui a un soin particulier à préparer ce concours, puisqu'il dirige le comité et qu'il a jeté un œil très bienveillant, comme il sait le faire, sur les produits qui sont aujourd'hui proposés aux différentes équipes. C'est Régis Marcon. Je vous demande de l'applaudir. Un petit mot, bien sûr, un petit mot d'accueil. Oui, un petit mot surtout pour expliquer les nouveautés de cette année. Et je parle avant tout au nom du comité, parce que le comité, c'est une belle équipe, grâce à, en tout cas avec Jérôme, bien entendu. J'aimerais rappeler, qu'est-ce que le Bocuse d'Or ? Le Bocuse d'Or, c'est d'abord un challenge, ça a été des rêves de chefs lyonnais qui un jour se sont dit, pourquoi pas ? Et ils ont mis en place ce concours. Qu'est-ce qu'est le Bocuse d'Or maintenant ? Ben, je crois qu'on peut le dire, ça l'est déjà depuis pas mal de sessions, c'est la fête des cuisiniers avant tout. Et derrière tout ça, ben, il y a un comité qui avance, qui chaque année, tous les deux ans tout du moins, essaye de trouver des nouvelles idées, parce qu'un vrai concours, ça a besoin d'évoluer dans le temps. Et cette année, nous avons mis en place deux thèmes. Le premier, c'est la poularde aux écrevisses, thème classique, surtout traditionnel régional, donc servi sur un plateau. Et c'est vraiment, on peut dire, l'ADN de ce Bocuse d'Or. Et le deuxième thème, 100% végétal. Alors là, bien sûr, c'est une nouveauté, c'est une première dans un concours de ce type, 100% végétal. Et là, donc, les candidats vont pouvoir choisir tous ces légumes, les mettre en valeur. Je vais vous dire qu'on n'a pas fini de voir de belles choses. Et surtout, on en parlait tout à l'heure avec certains chefs, chaque pays va pouvoir s'exprimer le mieux possible. Vous allez voir ces assiettes avec des couleurs, avec des tailles différentes, avec des cuissons. Certains qui vont cuire dans l'herbe, puis dans l'huile, puis dans le sel. Je pense que ça va être formidable. Merci, Régis Marcon. Alors, ladies and gentlemen, especially gentlemen, I don't see much ladies in those...